Bonjour à tous, je m'appelle Rosine Kambale. J'ai préparé la vidéo d'aujourd'hui à la demande de mes abonnés. Merci pour vos commentaires en public ou en privé. Je vais partager avec vous quelques astuces qui peuvent vous aider. Notre sujet d'aujourd'hui concerne comment vous pouvez passer votre temps le week-end. Avant tout, nous devons savoir que les week-ends sont pour 1. Le plaisir, 2. La détente, 3. Les sorties, 4. Les achats, 5. Le sommeil supplémentaire, 6. L'absence de pression ou de stress et 7. Le repos. Je vais élaborer ça. Les points 1 à 4 concernent les activités physiques à faire le week-end pour la poursuite de plaisir, pour se détendre, pour les sorties, pour faire du shopping. En détail, vous pouvez aller avec vos enfants à leurs activités de sport et de loisirs. Par exemple, les accompagner au football, ils sont en train de jouer. Toi, le parent, tu es là pour les encourager. Aller avec eux au cinéma, aller au jeu avec eux, ainsi de suite. Vous pouvez aller au restaurant ou juste aller prendre un café avec votre partenaire, avec ou sans enfant. Vous pouvez jouer avec vos enfants. Ici, vous jouez avec eux le jeu qu'ils aiment et non ce que vous leur imposez. Bien sûr, s'assurant de leur sécurité et de leur bien-être. Vous pouvez rattraper les choses en attente, telles que les achats non faits, faire la marche, vous pouvez faire une promenade avec eux, barbecue en famille, faire des randonnées, faire du lèche-vitrine, mais en évitant de s'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Dans tout ce que vous faites, soyez sûr que c'est un investissement et non une dépense inutile. L'investissement peut être matériel, physique, psychologique, social ou spirituel. Évitez d'apporter un grand changement dans vos dépenses du week-end. Quand vous dépensez pour les sorties, la détente, les achats, le plaisir, sachez vous contrôler sagement. Durant le week-end, donnez le meilleur de vous-même à votre famille, car vos familles sont spéciales. Ils ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'eux. Les week-ends doivent rendre les relations plus spéciales. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez investir dans l'apprentissage. Par exemple, apprendre à cuisiner, aller à des conférences, des formations artistiques et autres petites formations. Allez même à des formations avec vos enfants, votre conjoint et votre famille. Vous pouvez lancer une activité secondaire aussi. Par exemple, aider dans la communauté ou votre congrégation. Quelque chose que je voulais aussi pointer, durant le week-end, appelez vos bien-aimés, appelez les gens que vous aimez, appelez votre maman, appelez votre soeur, votre père, appelez les gens qui sont plus intelligents que vous, les gens qui sont plus sages que vous. Sachez que dans toute activité que vous faites, en dehors de votre famille restreinte, ne doit pas vous prendre toute la journée. Et souvenez-vous des 7 points que je vous avais donnés. Les points 5 à 7 se résument en repos. Le repos ne signifie pas ne rien faire. C'est se reposer du travail hebdomadaire en jouissant afin de recommencer en forme le lundi. Donc, évitez que le calendrier ou l'horloge vous mette sous pression. L'année 2022 a 365 jours et chaque mois a plus de 30 jours. Donc, demain aussi est un jour. Ce qui n'a pas été fait le vendredi peut être fait le lundi. Chers employeurs,
Arrêtez de mettre la pression sur vos employés le week-end. Et employés, apprenez à dire non poliment. Souvenez-vous de ma vidéo sur non. Quand nous disons que le week-end sert à rattraper le sommeil ou épauler le sommeil supplémentaire, cela ne signifie pas que le week-end nous devons dormir toute la journée. Mais ça signifie plutôt dormir sans alarme. Et une fois que votre horloge biologique vous réveille, levez-vous et commencez votre journée. Le sommeil et l'absence de pression promouvoient un bon repos. En vous reposant, vous pouvez passer plus de temps sous la douche ou la baignoire. Vous pouvez vous allonger sur votre canapé. Vous pouvez vous asseoir dans le jardin, lire un livre, méditer, écrire, faire de petits bricolages. Préparez une recette spéciale qui ne demande pas beaucoup d'efforts, hein, comme piler les pondus, les cassava, le fait des manioca, ça. Ce travail-là, c'est pas à faire le dimanche, sauf imprévu. Cette vidéo se réfère plus aux activités à faire le samedi. Si vous voulez un conseil sur le dimanche, vous en trouverez dans d'autres livres comme la Bible et des liens internet, ainsi de suite. Chez nous, le dimanche, on va à l'église le matin et l'après-midi, on fait ce que je vous ai dit, les activités-là de samedi. Pour finir, je vais vous donner 7 astuces à suivre le week-end. 1. Passez du temps de qualité avec votre famille. 2. Définissez les limites des dépenses. 3. Détendez-vous. Soyez flexible et équilibré. 4. Communiquez avec vos proches. 5. Définissez les limites de travail à domicile. 6. Prenez soin de vous-même, physiquement, psychologiquement et spirituellement. 7. Soyez vous-même. J'espère que vous avez pris note. Si pas, vous pouvez retourner pour regarder la vidéo. Je vous demanderai aussi de vous abonner sur ma chaîne. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je développe, écrivez-moi. Dieu aidant et permettant, nous allons concevoir la vidéo. Et si vous avez des conseils, des astuces, des témoignages à partager avec mon audience, n'hésitez pas de me contacter aussi. Rassurez-vous seulement que vous les faites par amour et volontairement. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Aimons-nous vivants, disent-ils. Que Dieu vous bénisse. C'était la votre maman Rosa. Bye bye.